Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir une ancienne danseuse. Oui, elle a vraiment, pour de vrai, dansé avec Claude François, c'est Prisca. Et elle a aussi, donné le virus à Coralie. Et il faut dire que c'est une passion que Prisca essaye de transmettre. Et je peux vous dire que pour Coralie, ça a bien marché. Elle a bien le virus, hein, voilà. Et Et pour la petite histoire, en 73, Prisca a créé une école, l'école des Claudinettes, où elle entraînait les jeunes filles à danser et celles qui le méritaient dansaient même quelquefois avec l'artiste. On va refaire ça ce soir. On va faire l'école des Claudinettes pour de vrai. On va voir si aujourd'hui, les élèves méritent de danser avec Claude François. Écoutez, on va les laisser danser et je vous laisse juger. Salve madame, les pupilles des hommes que n'ai jamais vu. Ils tiraient, crachaient et faisaient de l'ail aux inconnus. Ils rongeaient ses ongles et mangeaient sa soupe dans une passoire. On m'a même dit qu'il n'avait jamais mis les pieds dans une baignoire. Oui, sale bonhomme, oh quelle sale personne, un monstre en somme. Ce sale bonhomme, il détraquait tous les machines à sous et le téléphone. Son père et sa mère trouvaient dans leur verre du vin et du sel, et dans leurs chaussures de la confiture, quand ce n'était pas du miel. Oui, sale bonhomme, oui, sale bonhomme, auquel sale personne, oui, sale personne, un monstre en somme. Ce sale bonhomme, oui, sale bonhomme. Maintenant écoutez-moi bien, il faut que je vous raconte la fin de l'histoire, car elle montre de façon éclatante que quand on est un sale bonhomme, on ne récolte ce qu'on mérite. Un épée, il a rencontré une sale bonne femme qui lui dit, nous deux, on est si affreux que j'ai un programme. Épouse-moi, donne-moi un enfant, et depuis ce jour-là, au grand étonnement de tous les gens, il vit tranquille dans une sale bicoque avec un sale gamin et une sale bonne femme et son sale petit bonheur. Oui, sale bonhomme, oh quelle sale personne, un monstre en somme, ce sale bonhomme.